Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Salut, salut. T'es frais. Depuis là, cheveux jaunes, non. Moulobé. Quelqu'un m'a dit ça. Moulobé. Elle est devenue frais. Il dit, ah, mon cher, donc ça a mes cheveux jaunes, maintenant. Il a fait, et puis j'ai changé un peu. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est ça qui fait. Petit amusement, c'est vrai, il a crié sur nous. Il y a quoi, c'est quoi tout ça là. Ben, Ariel, bienvenue, on est content de te recevoir ce soir. Ah, ça fait plaisir. Comment tu vas? Très bien, très bien. Très bien, ouais, ouais. Ça, mais tu n'as pas besoin de dire. Tu n'as pas besoin de dire. On voit la sensation. Ariel, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur le sujet? On parlait ce soir des altercations qu'il y a souvent entre les forces de l'ordre et les citoyens ou les personnes interpellées. Ça, qu'est-ce que je peux dire? C'est un fait, c'est un fait réel, je veux dire. Et puis bon, c'est un fait qui est dû aux deux camps, tant qu'aux policiers, aussi qu'aux citoyens. Donc... je pense que c'est un fait. Je pense que si on veut plus avoir ce genre de cas, faut que les deux prennent leurs responsabilités. Tout à fait. Tant que les policiers doivent respecter les citoyens, tant que les citoyens doivent respecter la loi, ça va de soi. Tout va bien se passer. Ouais, tout va bien se passer. D'accord. Bah, ça se passe déjà sur trace. Rapidement donc, on va marquer une courte pause. Vous inquiétez pas, elle sera de très très courte durée, juste deux petites secondes, histoire de se remettre déjà en position. Parce que voilà, il y aura le G2.0 live. Je vais inviter donc tous nos auditeurs à switcher sur le direct. C'est Trace Côte d'Ivoire, notre page Facebook. Et vous pourrez y poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Dans le respect, bien évidemment, des mesures barrées. Du parle mal. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve dans quelques secondes seulement. Déconnectez pas. Lidoué assure ta Saint-Valentin sur Trace FM. Jusqu'au 24 février, Lidoué Assurance te donne la chance de gagner des bons d'achat de 25, 50 et 100 000 francs en direct dans ton émission Trace City. Dès 10h, compose le 27 225 08 200. 27 225 08 200. Rejoins Idia Fofana, fais ta déclaration d'amour à Lidoué et à toi les cadeaux. Lidoué assure ta Saint-Valentin dans Trace City jusqu'au 24 février sur Trace FM, premier sur les hits. Lidoué Assurance. Samedi soir, 18h sur Trace. Samedi soir, 18h sur Trace. Le son claque dans Urban Zone. 18h, 20h, Urban Zone. 2h pour remonter les deux plus gros classements de la planète musique. De 18 à 19, le Hit Africa. Le classement des 20 hits africains de la semaine. Et de 19h à 20h. Hola. Le Hit US. Le top 20 des hits les plus joués aux USA cette semaine. Samedi soir, viens prendre du gros son. Samedi soir, viens prendre du gros son dans Urban Zone. 18h, 20h sur Trace. 18h, 20h sur Trace. Premier sur les hits. Génération 2.0. 20h, 22h le soir, prends la parole sur Trace. Merci de nous rejoindre tous les soirs, comme vous le faites d'ailleurs, au 95.0, 3xw.trace.ci, l'application Trace Radio et le canal 524 du bouquet Canal+. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et qui dit jeudi dit grosse pointure. Et ce soir, notre invité n'est autre que Ariel Chenet, le colonel Lobofoué. Pour ceux qui sont pas sur le direct, c'est à vos risques et périls. Je suis pas responsable de tout ce qui va arriver. Sur ce, Ariel, est-ce que tu es prêt pour les questions? On peut aller, y a pas de souci. Il va crier sur nous maintenant, ça a mal se passer tout ça. Allez, installez-vous, prenez vos tabourets et puis ouvrez grandement les oreilles. On est parti, ça démarre maintenant. Ariel, ton actualité est ponctuée par ton EP, la toute dernière sortie. Donc, c'est Mutation. C'est Mutation ou bien Mutation? Oui, comme vous voulez, hein, Mutation, Mutation. Yeah, depuis on parle anglais, on va en revenir. On va y revenir, on va en revenir. Toujours là. Yeah, il part en grès sur nous. Ouais, pourquoi? Ouais, c'est pas mal. Heureusement que nous, on est anglophone. Donc, l'actualité, c'est ton EP Mutation. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps déjà pour nous servir de si belles mélodies? Parce que franchement, quand même, quoi. Un peu trop beaucoup quand même. C'est vrai que tu as sorti un truc en attendant avec Koffi Olomide, Toffolé. Avant ça, tu avais sorti ETC. Voilà, ETC et tout ça. Toffolé qui est compris dans l'EP également.
Mais on attendait un cocktail, quoi. Depuis que tu criais, tu pleurais, on regardait sur la route, on ne te voyait pas. Donc pourquoi tu as attendu aussi notre téléphone, nous expliquer. Non, fallait bosser dur. Fallait apprendre à pas parler au moins, mais à chanter au moins en anglais. Parce que parler et chanter, c'est différent, tu vois. Voilà, mais tu trouves que c'est beaucoup plus facile de chanter en anglais que de parler l'anglais? C'est 7000 fois plus facile de chanter en anglais. Il n'a pas besoin de comprendre, c'est que tu chantes. Non, mais il faut comprendre aussi. Bien sûr, faut comprendre. C'est difficile pour les anglophones de chanter en français. Difficile, s'il te plaît. Bon, c'est difficile pour les anglophones de chanter en français. Ouais. Mais pas vice versa, tu vois. Ouais. Nous, c'est facile pour nous chanter en anglais. C'est ce qu'on croit. Et c'est beau. Mais je te dis, faut juste oser. Il faut s'y mettre, tu vois. Ça a mal se passer tout ça. Ouais. Donc, on avait remarqué ça également, ta dernière sortie. Tu parles anglais maintenant. Ouais, je me débrouille. J'ai pris un professeur d'anglais depuis un an maintenant. Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est ma nouvelle vision de conquérir d'autres cieux, tu vois, d'autres pays où on m'entend pas encore, où on ne connaît pas encore Ariel Chenet, tu vois. Comme je sais que la langue anglaise est la langue la plus parlée au monde, tu vois. Elle voyage, hein. Voilà. Ouais. Donc c'est merveilleux. C'est toutefois bon de savoir parler un peu, quoi, étant ça peu. On a évité ça à l'école, ça nous a rattrapé. Et ton professeur d'anglais doit habiller en ce moment. Si tu regardes, si le direct là, il va dire c'est bien fait pour ça. L'enfant, quand je lui parlais, il n'écoutait pas. Voilà ça maintenant. Non, on peut continuer l'interview en anglais. En anglais. Ah ouais, non. Voilà. Ça fait les gens comme ça, mais j'ai. Ça m'a passé des débats. Ah, très mal c'est passé. Et Mutation est sortie donc sous la bannière de Sony Music. Ouais. On a cru entendre à une certaine période que vous étiez quand même en froid. Il y avait un petit désaccord et tout. Comment? On doit prendre ça comment? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tout va bien? Bientôt, ils t'ont forcé? Non, elle lâche pas la main. Elle dit t'ont forcé. J'ai pensé à tout sauf à ça. Je t'ai dit. Elle est derrière moi. Bon, mais pas obligé de. Ils m'ont pas forcé. Il y a eu des petits trucs, comme dans toute relation, tu vois. Je dis même dans toute bonne relation. Il faut quand même des petits bémols pour. Vous se rappelez d'où. Comme si elle n'entend pas. Oh, là, elle entend bien même. Non, il y a eu des petits bémols qu'il m'a fallu de régler, tu vois. C'est ça aussi qui m'a pris beaucoup de temps, je veux dire. Une grosse majorité de mon temps. Parce qu'il fallait régler bien les choses avant de faire sortir l'EP. Parce que j'avais trop taffé sur l'EP. Comme je vous le savez, je taffe depuis 3 ans maintenant. Quand même. Voilà, et donc, il fallait pas que les choses sortent comme ça. J'avais besoin de bien peaufiner les choses avec ma maison pour que les choses puissent se faire bien. Donc voilà, c'est un peu les raisons pour lesquelles ça a pris ce temps. On est d'autant plus contents hein, que les choses se passent bien. Ouais, ouais. On a remarqué que sur ton EP, donc Mutation, il n'y a pas de son coupé décalé. C'est pas à ça qu'on est habitué. C'est ça, on t'a connu. Non, il y a un son coupé décalé qui est Tofolé. Tofolé. Ouais, il est sur l'EP. Je l'ai fait sortir exprès parce que la demande commençait à me fatiguer. Donc je l'ai fait sortir en prélude, tu vois. Mais c'est le premier morceau de l'EP, en fait. C'est le premier morceau. Moi, j'ai écouté l'EP, là. Non, quand c'est je pas Ariel, là. Non, ça, c'est dans le classement du tracking, tu vois. Mais dans la composition même de l'EP, le premier morceau, c'était Toffolé, tu vois. Ah, parce que nous, on a écouté. Hein. Non, on a écouté. Ah ouais. Ami, on va te dire, je connais toutes tes chansons. Pas par cœur, mais je connais. Donc, l'intro, parlant de Ariella, cette chanson met en lumière donc, ta magnifique petite fille. Hein, voilà. C'est elle qui parle au début, là. Ouais, c'est elle qui c'est chante. Sa voix, hein. Début, c'est sa voix, même. C'est Choco Mickey. Ah, il s'est métisse. Oh, c'est ça, je vous l'ai dit. J'ai dit à Madame de faire métisse. Donc, c'est pas sorti métis, ça, c'est que c'est pas pour moi. Je l'ai dit clairement. Ça a mal passé cette affaire. Pas sorti métis. Mieux pour toi, il a fermé ton micro. Donc, voilà, je disais que l'intro de cette chanson, quand je dis l'intro, la toute première chanson qu'on retrouve sur ta tracklist, c'est Ariella. Ariella, une très ouais. belle chanson que j'ai aimée d'ailleurs. Merci. Elle chante un titre français, là. J'ai trop aimé. Je mets les mains devant. Je mets les dents derrière, je fais le tout petit rond, je fais le boogie boogie. J'ai dit, enfant des bras. D'accord. Alors, quand la plupart des artistes cachent leur progéniture, surtout, voilà, on les éclipse même, on ne sait même pas qui ils sont là. Voilà. Toi, tu décides quand même de la mettre en lumière à travers cette chanson-là. Et surtout à travers des paroles très poignantes
quand j'écoute et que j'entends une parole qui dit tout ce que je fais, je te le laisse, même mes ennemis aussi, un truc dans le style. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Moi, c'est Dieu qui me protège, c'est Dieu qui protège ma famille. Il nous protège, nous tous, mais chacun sait sur quoi il compte. Non, mais quand tu sais sur quoi tu comptes, ça veut dire que si t'as peur et que tu comptes, si tu comptes sur quelque chose que t'as peur, c'est que. Tu comptes pas bien. Tu comptes pas sur bonne chose. Tu vois, moi, je sais sur quoi je compte. Non, le compte peur. Là n'est pas bien compté. Pas bien compté. C'est important pour moi de rendre hommage à Ariella parce que elle est arrivée, j'arrête pas de le dire, à un moment de ma carrière où j'avais besoin de boost, tu vois. Et puis elle est venue. Et puis bon, voilà quoi, ça m'a redonné l'envie de continuer. Mm-hmm. Quand j'étais acculé de partout. C'est pas pétard, alors que tu as fait pour elle. J'espère qu'elle est au courant de ça. Non, ça c'est qu'elle va grandir. Ah, mais là, le vieux m'a aimé. Je mets le doigt, c'est tout ce que. D'accord. Alors, tu chantes parfaitement bien en anglais maintenant, hein, sur ton EP. Tu nous as dit que c'était pour t'exporter. Exact. Et c'est pas plus mal. Est-ce que dans l'exportation, là, on a vu pour le Congo, on a vu pour la France et tout ça. Est-ce que dans l'exportation, là, t'as quelqu'un en vue? Quelqu'un en vue, c'est-à-dire Un feat en vue, oui. Oui. Avec un artiste Naija. Anglophone. Oui, exactement. C'est un peu pour ça, vous voyez, que je suis en train de me lancer dans ce milieu. C'est effectivement pour faire de grosses collaborations. Il y a des critères là-bas pour entrer. Faut parler le langage, faut avoir une vie artistique bien réglo, tu vois. Mm-hmm. Faut être bien cultivé, faut connaître ton sujet. Mm-hmm. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai dû travailler pour pouvoir me lancer. Donc je pense que avec le temps, avec le travail qu'on mettra, les feats vont venir seulement. Pour moi, un feat, pour moi à la base, ça vient au feeling, tu vois. Mm-hmm. C'est toujours mieux de faire un feat au feeling que quand c'est arrangé. Quand c'est arrangé, c'est juste par obligation. Ouais. Mm-hmm. Autant quand ça vient au feeling, on sent l'artiste, l'autre le sent, et puis bon, ça passe vous, mieux. Vous sentez. Ah, d'accord. Alors, on a vu également sur l'EP, j'ai vu que tu avais un feat avec. Comment elle s'appelle? Ayane. On me drague Ayane. Onel Mala. D'accord. Très beau. Fait. Très belle chanson. Très belle chanson. Ouais. C'est l'une des chansons préférées de Mike. Oh là là. Il a été le premier à l'écouter en plus. Avant la sortie. Ah ouais. Et pourquoi c'est, ton choix s'est porté sur Onel Mala? Moi-même, mon choix se porte sur lui. Ce monsieur-là, c'est un nom, mais le gars... En fait, moi, je suis un fan inconditionnel de ce monsieur. Onel Mala. Ouais, il ne le sait pas. Je ne lui ai jamais dit, on n'a jamais eu l'occasion de parler. Mais je suis un fan inconditionnel parce que ce monsieur, c'est un dinosaure. Maintenant, bon, pour Ariel, vu que la question lui est posée... Non, mais c'est l'une des raisons, hein, je valide. C'est une figure emblématique, je veux dire, de l'afro-gospel, tu vois. Moi, c'est une musique qui m'a bercé depuis l'enfance. J'ai commencé à l'église, donc... Onel Mala aussi, il a bossé avec ma mère. Ma mère chantait dans l'orchestre dans lequel il évoluait. Donc, c'est ton oncle? Non, encore. Non, c'est mon grand-père même. C'est ton oncle. Tu vois un peu. Et voilà, pour moi, c'était une sorte de retour aux sources, quoi, avec Onel Mala. Avec Ayane, parce que je sais que tu vas me poser la question. Avec Ayane, c'était mon coup de cœur de l'année 2022. Ah, elle a fait. Franchement, moi, je sais pas si les Ivoiriens écoutent la musique comme moi, comme nous autres. De cette oreille. Moi, j'écoute la musique avec une oreille. Très artistique. Qui va au fin fond, quoi, tu vois. Et Ayane, elle, je l'ai aimée par sa manière de composer ses textes. Elle a de la corde, elle sait chanter. Mais quand tu l'écoutes chanter, tu as l'impression qu'elle n'a pas trop de phrases, en fait. C'est juste à dessein, en fait. C'est comme ça, quand on compose une chanson, il faut t'arranger à ce que cette chanson-là puisse rester dans la tête des gens à la première écoute. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle a compris, c'est ce qui m'a séduit dans sa musique. D'accord, c'est pas plus mal. Alors, c'est quoi la suite? On a sorti l'EP, Mutation. On est en train de faire la promotion. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un palais en vue? Est-ce qu'il y a quelque chose en vue? Je vise un peu plus gros que le palais. Amen. Ouais, franchement, je vais dire que je vise un peu plus gros que j'en le palais. J'en vais le stade là-bas. Là. Si nous ont donné, il y a longtemps qu'on j'ai le stade là-haut. C'est un moment seulement ça là-bas. Ouais, c'est compliqué, hein, on dirait. C'est compliqué. Dans les autres pays, ils ont déjà le stade quand ils venaient. Ici, là, c'est compliqué. En tout cas, s'ils ont donné. Ils se sont trompés, ils ont donné. Non, ils ne vont pas croire. Ils ont toujours donné. Peut-être que le président a dit bon, on fait un stade spécialement pour vous. Pour les châteaux. Voilà. Et comme je disais, je vise gros et j'ai bien envie. Cette année ou l'année prochaine? Non, je ne suis pas pressé. J'ai du boulot, tu vois, j'ai été en dehors de la scène depuis un moment.
je pense que mes fans ne croient pas encore que ce que je suis en train de faire va rehausser encore plus le niveau de la musique, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que c'est ce travail-là que je suis en train de faire pour convaincre plus d'une. C'est mm-hmm. vrai que je veux aller à la conquête du monde, mais en même temps que je veux aller à la conquête du monde, il faut que j'arrive à satisfaire ses disciples, leur dire que oui, ça peut marcher. Donc, il mm-hmm. faut soutenir, voilà. D'accord. Et est-ce qu'à ce stade-là, tu as encore des rêves? Parce que voilà, on se dit... T'as quand même réalisé pas mal de choses, hein. Ouais, beaucoup pas, de choses. Pas, hein. Pas mal de choses. Mm. Est-ce que t'as encore des rêves? En plus, il n'est pas vieux. On a toujours des rêves. Moi, personnellement, mon rêve, c'est la musique ivoirienne. Mm-hmm. Je pense qu'on a beaucoup et assez de talents ici en Côte d'Ivoire pour s'arrêter là. C'est ce qu'on sait déjà, c'est ce qu'on a déjà vu. Il y a mm-hmm. beaucoup. Allons chercher loin. On a des richesses que nos parents, nos arrière-grands-parents musiciens, comme Ernesto Djedje, comme mm-hmm. Louis François nous ont donné. C'est un héritage. Au jour d'aujourd'hui, d'autres pays utilisent ce que leurs grands-parents musiciens leur ont donné pour leur, tu vois. Je pense que c'est une chose qu'on doit le faire. C'est pourquoi je suis en train de me lancer dans cette bataille-là. D'accord. Voilà. Alors, Ariel, tu es sans ignorer qu'en ce moment, le rap ivoire est en pleine ascension. Ne pas dire atteint son apogée. je t'ai déjà entendu rapper. D'accord. Pourquoi ne pas avoir pensé faire aussi un titre rap sur ton EP? Le rap. comme tu l'as dit, tu m'as déjà entendu rapper. Ça veut mm-hmm. dire que. Tu sais faire. T'es pas... Il y a quoi faire? Je sais faire un peu quand même. Je suis pas rappeur. Moi, je suis pas rappeur. Mm-hmm. Moi, je suis un artiste. Tout court. Hip-hopien. Voilà. Mmh, n'est pas hip-hopé. Et donc, c'est vrai que je me suis adonné un peu au rap, donc j'aurais pu faire un ou deux morceaux rap. Mmh, mmh. Je ne l'ai pas fait parce que, comme je l'ai dit, c'est une mutation. Et pour moi, c'était important pour moi de montrer Ariel Chéné sous un autre visage, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai même pas voulu mettre plus de morceaux coupés décalés dans le. D'accord, ok, c'est bien noté. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Et la question de Mike, c'est pourquoi, à ton avis, la musique ivoirienne a du mal à s'exporter vers l'Occident? Parce qu'on manque d'investissement. Tu penses? Bah oui. D'investissement et tout. Tu mets un pourquoi? Tu lui as posé la question. C'est pas parce que tu dis, si t'as de crise, on ne soutient pas. C'est ça, c'est ce que je dis. L'investissement, c'est ça. Bon, c'est la base. L'investissement. J'ai rencontré aujourd'hui un jeune, je ne savais pas qu'il était aussi jeune, le producteur d'Eden, le groupe Eden, mm-hmm. s'appelle Mirlo. Ouais. T'as dû voir ses affiches dans la mm-hmm. ville. Mm-hmm. Mirlo avec des lunettes. Ah oui. Ah, t'as mm-hmm. vu. Hey, ah, ok, d'accord. Non, il n'y a pas. Okay. Ah oui, je savais. Voilà. C'est un monsieur qui aurait voulu faire la musique depuis bien longtemps, tu vois. Mm-hmm. Les parents l'ont bloqué. Mm-hmm. Les parents l'ont bloqué, donc il a allé à l'école, il est allé à Londres, tout ça, il a fait les études. Mm-hmm. Quand il est revenu avec tout son jet, comme on dit, il a dit, bon, les parents, il a fini de tout faire, non? Mm-hmm. Maintenant, je vais faire ma musique. Mm-hmm. Et il utilise son argent pour d'abord entrer dans la musique. Et comme il rentre dans la musique, il décide avec sa connaissance musicale mm-hmm. d'investir sur un groupe. Mm-hmm. Eden, on sait comment Eden mm-hmm. a commencé mm-hmm. quand il est arrivé. Moi, je te dis, tous les gros succès d'Eden, tous les textes, tout ça, c'est ce monsieur-là. Et c'est un jeune. Et c'est parce qu'il a les moyens aujourd'hui, tu vois, qu'il se permet de dire, bon, je vais faire aussi de la musique ouais. et faire des clips. Il a tourné 3 ou 5 clips avec Tio Mori, tu vois. C'est pas moyen. Mori, c'est pas n'importe qui. Ouais, on parle de quoi? De 20 000, 30 000 euros de ouais. clips. Moi, ouais. je sais de quoi je parle, tu vois. Et il en a fait avec Clarence. Tu vois, c'est un exemple que je donne. Pourquoi? C'est pour te dire, tous les artistes n'ont pas cette chance-là. Cette chance d'avoir les moyens de financer leurs produits, tu vois. Tout à fait. On peut avoir du talent, on peut avoir tout ce qu'il faut. Mais quand il n'y a pas de sous, on est dans un monde aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans l'argent. Mm-hmm. Et même, s'il te plaît, si tu me permets, quand il y a les moyens, qu'il y a un investissement, il faut un retour sur investissement. Tout parce à que fait. Quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, à un certain moment, tu te dis à quoi ça sert de dépenser 40, à 50 quoi 000 ça sert dollars sur ouais. plusieurs projets, ne pas avoir un retour sur investissement. Le truc aussi, c'est où investir. Ouais. C'est mm-hmm. pas seulement d'avoir les sous, mais c'est où investir. Mm-hmm. Parce que moi, je dis la musique, quand tu investis dans la musique à fond, tu vas récolter. Ouais. Faut juste avoir la bonne stratégie, la bonne équipe, et bon, voilà, les choses, ça vient, quoi. Donc, je pense que on doit avoir de bons bailleurs, tu vois, mm-hmm. des gens qui sont prêts à investir pour la musique ivoirienne. Et je pense que si le gouvernement pouvait se pencher sur,
sur les jeunes talents. La musique aujourd'hui a un gros poids, apporte une. Le poème, tout le monde dit des talents. Mais effectivement, tout le monde est talentueux. Je l'ai dit ici. Il n'y a pas un artiste qui n'est pas talentueux. Tout le monde. Parce que le fait de rentrer en studio, tu as composé une chanson, tu l'as chantée, et puis ça sonne bien dans l'oreille de quelqu'un, ça prouve que tu as du talent. Peut-être que toi, à ton niveau, peut-être ce qu'ils sentent, ça ne te dit rien. Voilà, ça percute pas. On mais les goûts et les couleurs. C'est un talent. Parce que ce qu'il a fait, peut-être toi, qui est très cultivé, qui fait très bien le journalisme, par exemple, tu ne pourrais pas le faire. Donc ça, c'est du talent. Tout artiste est talentueux à son niveau. Ouais. D'accord. Alors, on a terminé donc pour les questions. Ariel, là maintenant, on va rentrer dans la phase jeu. Est-ce que tu es prêt? Ah non, allez. Are you ready? On va tester un peu ta mémoire, si tu le permets. Je vais t'énoncer donc... Il n'y a pas une bonne mémoire. Là. Ah, mieux. Ça pareil que pour moi. Tu sais quoi? Pareil pour moi. Mieux. Tu me donnes trois mots tout de suite, je les oublie automatiquement. Là, c'est six mots à retenir dans l'autre. Ariel, tu es prêt? T'es dû. Qui va donner rire là? On dirait que tu es mal barré. D'accord. Écoute bien. Concertation. Folklore. Engrais. Pacifiste. Translittération. C'est mort. Oubli. C'est Wahoué. Wahouézo. Les fans t'écoutent, hein? Non, les deux mots, il a oublié même les deux premiers. Les deux premiers. Non, concertation, moi, c'est resté. Mm-hmm. Oui, il me concerte beaucoup, hein, mon équipe. Mais dans l'ordre, là. Un autre mot, pardon, trois, pardon, sois pitié. Non. Concertation, on peut reprendre? Concertation, oui. Moi, quand même, bon. Il y a pas de bon. Pourquoi? Non, mais il faut reprendre. Qu'est-ce que c'est? Il faut reprendre une fois. Bon, attention. Concertation. Il y a ça qui ne m'a donné cri, hein. Oh les mains. Moi, je suis là, je le regarde. Concertation. Allons-y. Folklore. Engrais. Pacifiste. Translittération. Oubli. On dirait ça qu'elle dit oubli, la main, sa tête même. Ça s'en va. Efface tout là-bas. Concertation. Engrais. Non. Baba. Il y a même Mickey même qui. Ton cerveau m'a retenu, voilà, il a retenu. Mickey, c'est quoi? C'est folklore. Ok, folklore. Donc, concertation, folklore, engrais, trans. Translittération. Non, mais je vais dire translittération. Translittération. Bonbon pecto. Non, oublie. Il y avait pacifiste avant. Ouais, pacifiste et oublie. Il y a même peur de faire le deuxième. T'en sortirons. On gérera. Allons-y. La deuxième série. Factuelle. Correspondance. Constitutionnelle. Raclure. Fourchette. Sablier. Fraction. Normal, c'est passé cette affaire-là. Correspondance. Tu as dit quoi? Attends. Il a dit. Tu as dit quoi, premier là? J'ai dit fraction. Toi, tu as dit fraction ici. C'est fraction. Tu avais pu au mieux. Tu as dit fraction. Non, tu reprends, supportes. On reprend une deuxième fois. Je reprends. Factuel. Oh. On est fraction. C'est le mot là. Fraction. Non, mais ce jeu là, c'est dur. Hein. Factuel. Correspondance. Constitutionnelle. Raclure. Fourchette, sablier. Fraction. Non. Factuel. Constitutionnel. Eh, baba. Oh, laissez ça là. Laissez les bandes. Non, mais tu sais. Non, c'est chaud, hein. C'est compliqué. Moi, j'essaie ça souvent, mais je m'en sors pas, hein. Exercice de mémoire. Non, mais en fait, je pense qu'il faut commencer par les petits mots d'abord, genre 10, 3, 22. Allez, bonjour, tu vois. On commence déjà par ça, mais c'est du gros mot. Hein. Alors, un autre jeu. Non, voilà, c'est mieux. On va dire 6 tour à tour des mots qui ont un rapport, hein, avec, voilà, avec ce que je vais te citer. Par exemple, si je te dis transport, tu dois pouvoir me dire voiture. 5 mots qui sont en rapport avec le transport. Ça peut être la route. On va pas faire tour à tout. Tu dis quoi? On va faire tour à tout. Tour à tout. D'accord. Ouais. Ariel, pour toi, ça sera la beauté. La beauté. 5 mots. Make-up. Hein?
chemise. Ça c'est pas plutôt la mode ça. Ma beauté. Make-up. Ouais, make-up. Rouge à lèvres. Ah ouais, tout ça c'est make-up. Tout ça c'est make-up. Miroir. Ouais. Coiffure. C'est un objet, le miroir. Coiffure. Ouais. Tout ça c'est make-up. Non. Coiffure. Mais tout ça c'est la mode. Non. Pas la mode. Coiffure. La beauté. Non, tout ça c'est la beauté. Il y a la beauté intellectuelle, hein. Bah voilà. Donc l'intelligence. Non, mais c'était. Quel genre de beauté d'abord? Moi, je suis sapiosexuelle, donc ça compte pour moi. Mais quand quelqu'un est beau, là, on ne dit pas qu'il est intelligent. C'est quel genre? Non, je suis désolé. Moi, je te trouve beau parce que tu parles. Non. Ouais. Non, je veux dire. Si c'est réfléchi ce que tu dis, je te trouve beau. Quand tu sors. Ah non, mais il est beau ou elle est belle, c'est pas parce qu'elle est intelligente, hein. Ah non. Elle a quelque chose. Quand elle s'est retournée, là, elle dit. Champion, elle est jodée. Mais tu vois, à quel moment tu sais qu'elle est intelligente? Lève-toi, mes camarades, on va t'aboter. Non, retourne-toi, chérie. Retourne-toi. Comment c'est quoi? Tu manges la mic. Retourne-toi, on va t'aboter. Ça a mal se passer cette affaire. C'est complexe. Donc, on a dit make-up. Ouais, make-up, on a miroir. Bon, non. C'est un objet, le miroir. Non. Est-ce que tu te promets ton miroir? Mon beau miroir. Non. Mais dans la voiture? Quoi? Tu regardes souvent avant de descendre de la voiture. Tu regardes si ça la beauté, c'est quoi? Beauté physique. La beauté. Moi, j'ai dit toutes les beautés. Beauté physique, beauté intellectuelle, morale. On dirait on a fait le tour. Hein. Il y a quoi d'autre là-bas? Non, make-up là-bas, c'était one by one miroir. Il y a quoi d'autre là-bas? Il y a transport. Le transport. Moi, je dis avion, vélo, voiture, pédale, roue. Roulement de quoi? Roulement de voiture. Ça c'est un manque de respect. Roulement là c'est quoi? Roulement là c'est quoi? Moi j'ai entendu ça beaucoup, les enfants là ils disent roulement, hein. Roulement, il roule. Roulement, il roule. Je sais que roulement là, mon mécanicien Michel, il emploie beaucoup. Roulement central. Il dit roulement de voiture, il y a problème. Et Michel, comment ça coûte combien? Faut pas me demander. Non. Les petits là, ils ont les sortes de. Comment on appelle ça même? Ah mais c'est vrai, on peut pas transporter quelqu'un avec. Non. Oh ouais, non, c'est vrai. C'est pas de quoi les poussettes là. Ouais. Non, ils appellent ça. Ce qui reste, il y a musique et puis il y a beauté. Vous m'imposez quoi? Non, il y a musique et il y a justice. Justice, ça. Non. Non, il y a trop. Non. Musique. Mais il y a trop, c'est ça, tu dois lui donner. Mais lui, c'est un musicien. Non, tu as dit beauté. Pourquoi? Oui, tu dois lui donner musique et puis toi, tu prends beauté. C'est lui qui joue les frères, non? Non, mais c'est un artiste. On est censé bien l'accueillir ici. Tu vas garder de mauvais souvenirs. Tu vois, c'est pas bien. Avec un jeu, il doit retenir 6 mots compliqués. Quand on a dit, mais t'es là. Non, pardon, jeu suivant. Jeu suivant, mon beau miroir. Oh, mon beau miroir, qui es-tu? Non, jeu suivant, il va pas aimer. De quoi? Il va pas aimer. Translittération. Alors, le jeu suivant, il s'agit de quoi? On te donne 3 mots, d'accord? Et 3 réponses. Donc, c'est QCM, question à choix multiple, d'accord? Et toi, tu dis le meilleur choix, le choix qui te paraît le plus plausible, d'accord? Ok. Donc, la définition de translittération, est-ce que tu penses que 1, c'est dérivé du... Comment on appelle ça? De la translation, qui veut dire traduire, transcription... Lettre par lettre, dans laquelle on fait correspondre à chaque signe d'un système d'écriture et d'un signe dans un autre système. Ça, c'est vraiment compliqué. Ensuite, la translittération est en rapport avec la transportation. Okay. Question, réponse 1, 2 ou 3? 2. 2, très bonne réponse. Abattardir. Accepter un bâtard. Abattre un animal de sang-froid. Oh, arrêtez, y'a pas ça. Faire dégénérer, corrompre les qualités originelles. Tu as fait quoi? 3 propositions de réponse. Abattardir. La première proposition, accepter un bâtard. La deuxième proposition, abattre un animal de sang-froid. La troisième réponse, faire dégénérer, corrompre les qualités originelles. Ouais, la troisième. Jean, tu t'en sors trop bien, quoi. Attends, il y a des seins. Non, je fais les bains un peu quand même. Eh, Seigneur,
Il y a un dernier mot, peut-on mettre dans la définition. Il y a moi, lui, là, qui a fait les bases. Il y a moi. Adjudication. Mais ça doit être compliqué. Adjudication, acte juridique. Attends, il y a fini le truc. Non. Acte juridique par lequel on met des acquéreurs ou des entrepreneurs en libre concurrence. Numéro 2. Verdict rendu lors d'un procès après lequel il n'y a plus aucun recours possible. Fiu est perdu dans sa fiu. J'ai regardé le ciel. Troisième proposition de réponse. Acte par lequel une décision de justice est révoquée. Numéro 1. Fiu, c'est une arnaqueuse. Non, moi je suis en train de regarder Fiu, hein. Fiu ne fait rien. Mais moi je t'ai dit tout à l'heure que Fiu est en train de regarder le ciel. Attends, je ne sens pas un intellectuel. Non, mais Chenet. Mais bon, comme ça, là. Il n'y a pas aimé. Et puis sans faute, hein. Oui, il n'y a pas aimé. C'est bizarre. Il n'y a pas dans mes habitudes. Il n'y a même pas. Mais pourtant, je regardais Fiu, hein. Fiu, elle est capable de tout, hein. Elle a son téléphone en main, Ariel a son téléphone. Non, sérieux, je la regardais. Je faisais exprès de la regarder, même. Les artistes de Côte d'Ivoire sont. Ils ont la grêle. C'est pas grave. Dites ce que vous voulez dire. Il n'y a pas le bleu. Demain, là. Merci Ariel d'avoir répondu à toutes nos questions. Vite fait, on va te permettre de faire ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire chanter. On fait découvrir les trucs là. Voilà. Oh, j'adore toutes les chansons de l'EP. Franchement, et mon coup de cœur. Et j'ai adoré qu'il ait changé à la dernière minute un titre Ariella parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. C'est d'ordre sentimental et j'aimerais vraiment partager ces paroles avec vous. Et par la suite, vous retrouverez également Sweet Life, son tout dernier. Franchement, follow me. Vous l'écoutez. Nouveau. Mais quand tu dis dernier, là, il va plus chanter encore. Ah non, c'est le dernier en date, si tu veux. Ou bien le tout nouveau. Ouais. Donc, trois titres finalement. Et le troisième, c'est lequel ? Démarrer. Voilà. Donc, on aura trois titres. Démarrer. Sweet Life, Ariella et Démarrer. J'adore cette chanson aussi. Bah voilà, trois titres que vous retrouvez également sur l'EP Mutation qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Sur ce, je vous retrouve dans quelques instants, le temps de se positionner. Et je vous dis à tout à l'heure, déconnectez surtout pas et restez connectés surtout sur le live. C'est Trace Côte d'Ivoire, notre page Facebook. Et les choses sérieuses commencent maintenant.